D'abord, il y a des heures de préparation sur cette vieille Jaguar. Parce qu'avant le crash, rien n'est laissé au hasard. Le bolide a été choisi par l'artiste pour sa forme si particulière à l'avant. Ça, c'était la voiture que j'ai voulu trouver. Ouais, je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Ah, vous l'avez acheté quand même? Oui, bien sûr. Ouais. Ça coûte cher d'être artiste. Oui, ça, c'est l'autre problème d'avoir des voitures. Oui, l'idée, c'est aussi que les voitures fonctionnent encore. Ensuite, il y a le moment fort. En 15 secondes, la Jaguar qui roule à 140 km/h est projetée contre le mur. On attend toujours quelque chose, mais finalement, ce qui se passe, c'est toujours un petit peu une... on ne sait pas vraiment, on a une impression, mais c'est parfait. Un résultat parfait donc, mais ne vous y trompez pas. L'œuvre n'est pas la Jaguar en miettes, ni même la vidéo pourtant très belle du crash au ralenti. Non, l'œuvre, c'est ça, l'empreinte du pare-choc. Ce que Pam Crash appelle la face. Une démarche artistique qui a séduit ce galeriste strasbourgeois. Il y a eu d'autres artistes qui ont fait des compressions, par exemple, mais l'objet de la compression était toujours présent dans l'œuvre. Or que là, vraiment, c'est comme si l'artiste partait de ce qu'on a déjà connu dans l'histoire de l'art, et il le fait à sa sauce, il repart là où les autres se sont arrêtés, et du coup, l'œuvre, c'est complètement autre chose. L'œuvre va se retrouver dans sa galerie, Radial Art Contemporain à Strasbourg, jusqu'au 2 septembre, aux côtés d'autres faces de Pam Crash.